Ok, comme vous le savez, dans CP 2077, il y a un certain nombre de véhicules qu'on peut obtenir gratuitement via une quête ou via tout simplement une position, un emplacement dans la map qui nous permet d'obtenir, qui nous permet de gagner en gros un véhicule gratuit. On prend la clé, on se barre avec, et il est à nous. Parmi ces véhicules gratuits-là disponibles dans la map ou via les quêtes, il y a un véhicule qui s'appelle le Thornton Colby Butte, qui est un pick-up. Vous l'avez en plusieurs variantes dans le jeu, vous pouvez l'obtenir via des PNJ en leur volant dans la ville. Vous avez la variante ville, la variante nomade, que vous pouvez acheter. Ces deux-là, vous pouvez les acheter. Donc, quoi qu'il arrive, même si vous n'obteniez pas celle gratuite, vous pourriez l'acheter. Et puis, c'est pas très cher en plus. Mais là, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la version gratuite. C'est la troisième variante. Et cette variante se trouve dans le désert, au fin fond du désert, dans un plateau de tournage de cinéma, en fait. On va s'y rendre. Et le truc, c'est qu'il y a un gros problème avec ça. Et ça, j'ai vu que personne n'en parlait en fait. Il y a des forums, genre sur Reddit et tout, ça en parle de ce problème, mais personne n'a fait de vidéo explicative pour les gens. Et du coup, tout le monde, dans chaque vidéo que j'ai vue sur ce véhicule, tout le monde dit dans les commentaires, ouais, elle n'apparaît pas, je la vois pas, comment on fait, comment vous avez fait et tout. Et je vois que les mecs, ceux qui ont fait les vidéos, ils galèrent à répondre en com, ou ils répondent pas du tout, ils laissent les gens dans le flou. Donc là, on va en parler, et je vais vous proposer deux options. Et c'est les deux seules options, vraiment. Il n'y a pas d'autre explication. Déjà, on va se rendre à l'endroit. Donc, je vais me bouger. C'est tout droit. Hein. J'y suis presque. Donc, sur la route en même temps, je vais vous expliquer un peu le délire. Donc, la Colby se trouve tout droit là-bas dans le désert sur un plateau de tournage d'une publicité. Ok. Donc, là, je vais m'y rendre. Mais j'ai rien loot là-bas. Ok. Je connais déjà cette position parce que dans mon ancienne partie, j'y avais déjà été. J'avais tout récupéré. Et j'avais vu ce véhicule. Mais je l'avais pas. En fait, j'avais pas capté que c'était un véhicule qu'on pouvait avoir pour nous. Et je l'ai pas pris comme un con, je me suis barré. Après, de toute façon, c'est mon ancienne partie, donc c'est pas... Tout d'abord, vous vous rendez à cette position, le plateau de cinéma du désert, qui est, voilà, c'est un TP, c'est tout, c'est vraiment, c'est un peu perdu dans le désert, vous suivez la route, là, comme ça, vous prenez le TP Rocky Ridge, vous voyez la ville fantôme, bah, vous traversez, vous allez là-haut. En gros, vous allez avoir une scène de tournage, de publicité, voilà, avec plein de cadavres, il y a plein de mecs morts, et vous avez vu qu'on a vu une navette de la Trauma Team qui s'est barrée, donc ça, je l'avais pas vu la première fois. Alors, là, vous avez l'éclat qui explique le tournage, comment ça se passe. Dans le dernier paragraphe, il explique bien que pour le tournage de vêtements corpo de luxe, c'est pour une marque de vêtements, il va pas mettre des véhicules de luxe ou de limousine, tout ça, il va mettre une Thornton Colby Butte, ok, le pick-up que je viens de ramasser. C'est le pick-up qui servait pour la pub. Donc je l'ai. Maintenant, je vais vous dire, il n'y a rien d'autre. Ah si. Donc on va se mettre à côté du véhicule en question. Voilà ce que vous pouvez avoir gratuitement. Il peut être vôtre, Thornton Colby Butte, c'est voilà, c'est ça, la butte à 235 chevaux. Alors le problème, c'est que beaucoup d'entre vous n'auront pas le véhicule, il ne va pas apparaître ici, il ne va pas spawn, il n'y aura absolument rien. Pourquoi? Alors, j'ai deux solutions à vous proposer, comme j'ai dit tout au début de la vidéo. La première, c'est soit parce que c'est buggé, ok, on sait tous, le jeu, il est buggé, ils n'ont pas stabilisé vraiment le jeu dans certains aspects, et du coup, ça peut très bien être un bug de spawn. Le véhicule n'apparaîtra pas à cause d'un bug, donc il faudra peut-être partir, recharger une partie précédente, revenir. Enfin, ça peut être dû à un bug. Et du coup, là, vous êtes dans le flou parce que vous savez pas s'il faut revenir plus tard ou recharger une partie, etc. Voilà, ça, c'est la première possibilité. Et aussi, le fait que peut-être que ce soit patch plus tard et que le véhicule va toujours être là. Mais on va pas parler de la possibilité du bug dans cette vidéo. On va parler de la deuxième option. C'est le temps qui défile dans le jeu, ok? Et ça, pour moi, c'est l'option la plus crédible. Je vous explique. Dans CP, vous avez une timeline précise qui suit une logique, qui suit la logique un peu réelle de la vie. En fait, quand vous allez faire un truc, vous allez jouer à un événement, vous allez voir quelque chose. Si vous passez le temps, vous revenez, je sais pas, 3 jours plus tard, vous allez voir que cet événement, cette scène aura changé. Ce ne sera plus la même. Par exemple, je vais vous montrer un exemple concret. Hein. De toute façon, je vais le faire. Par exemple, là, vous voyez la Trauma Team qu'on a vu partir. Ils sont revenus parce que les mecs sont morts, ok? Eh bien, je peux vous assurer que si on s'en va, voilà, je suis parti assez loin, que vous faites attendre 24 heures, je sais pas,
On va faire, je sais pas, on va faire 4 jours, 24 fois 4. Allez hop, 24 heures. Tiens, puis tiens, le dernier, on va dire 22 heures. Allez, voilà. Il est 10 heures du mat. On va retourner là-bas. Je pense que je suis parti assez loin. Voilà. Ça prouve vraiment ma théorie. Enfin, ça la confirme pas, mais ça va dans mon sens. Vous voyez? On est revenu. Il n'y a plus aucun véhicule. Il y avait trois véhicules garés ici quand même. Il n'y a plus aucun véhicule. Il n'y a plus les corps. Il n'y a plus que les traces de sang en fait. Et là, je pense que vous avez capté là où je veux en venir. En gros, tous les joueurs qui sont passés proches du plateau de tournage de cette zone, je dis pas passer dedans, attention, mais proches, par exemple, si vous êtes passé sur cette route, comme ça compte. Si vous êtes passé autour, comme ça compte. Tous ceux qui sont passés pas loin de cette zone, assez proches pour faire spawn une fois le véhicule, eh bien, vous allez être niqué parce que si vous êtes passé proche de cette zone sans aller dans cette zone, par pur hasard, hein, il suffit de passer à côté parce que vous baladez dans le désert, parce que vous voulez visiter un peu les décors, les paysages, eh bien, ça va vous activer l'événement, ça va vous activer le spawn, les loots sur les corps et le spawn du véhicule. Ce qui fait que si t'es passé à côté une fois sans y aller directement, ou alors que t'es venu ici, que t'as loot les corps mais que t'as pas fait attention au pick-up, que t'es pas rentré dedans pour l'obtenir officiellement, et que tu te barres, et que tu avances dans le temps, ensuite, tu fais des missions, t'avances dans le temps, et ben c'est mort. Les corps vont disparaître, la voiture va disparaître, parce que vous êtes trop avancé dans le temps par rapport au jeu. Je sais que c'est cruel, d'un côté pour certains joueurs qui veulent faire le jeu à 100%, vraiment qui sont perfectionnistes. J'aime ne rien laisser derrière moi, ne rien rater dans un jeu comme ça. Partout où je vais, je ramasse et je récupère tout ce que je peux. Et donc je sais que ça peut foutre le seum, mais d'un côté, ça a du sens, c'est réaliste, parce que si vous y réfléchissez bien, qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il y a qui? Il y a les Wraiths et il y a les Aldecaldos, les deux gangs du désert. Et ces mecs-là, ils volent absolument tout ce qu'ils peuvent récupérer, ils le font. Et regardez, si vous regardez sur la carte, là c'est là où on est actuellement, et regardez juste en dessous. Le camp mobile des Aldecaldos, ok? Et il est juste en dessous. Et tout ce qui se passe autour, il y a des Wraiths aussi. Ok? Donc, ça a du sens. Ou quand ils pensent, si t'attends un peu trop longtemps, si t'attends quelques jours, et bah les mecs, ils seront venus, un des deux gangs est venu, et ils ont tout pris. Ils ont pris tous les véhicules, ils ont pris le pick-up, ils ont fouillé ils ont ramassé le loot, en gros. La trauma team est déjà passée, ils ont enlevé les corps. Il n'y a plus rien. Certains joueurs, vous allez arriver dans ce plateau-là. Ici, dans cette zone, il n'y aura absolument plus rien. Parce que vous avez activé la zone sans faire exprès en passant proche, sans le savoir, et vous vous êtes un peu auto-niqué. Mais vous ne pouviez pas le savoir, c'est pas votre faute. D'où cette vidéo aujourd'hui, il fallait en parler parce que personne n'en a parlé. J'ai vu que personne n'a trouvé d'explication, et moi je trouve que c'est l'explication la plus logique. C'est la timeline, vous avez avancé dans le temps, et tout a disparu. Dans le jeu, c'est comme ça que ça se passe, c'est pas le seul endroit. Il y a d'autres endroits dans le jeu. Si vous passez dans la zone, dans une certaine zone, vous allez activer un événement. C'est ce qu'on appelle un event aléatoire dans un monde ouvert, dans un open world, ok? Dans Red Dead Redemption 2, il y avait aussi des trucs comme ça, où quand tu l'activais une fois, si jamais tu revenais, c'était mort. Cet événement n'y était plus. Eh bien, c'est pareil dans ce jeu. Si vous activez un certain événement dans une zone, mais que vous n'y allez pas, que vous ne jouez pas, que vous ne faites pas attention à ce qui se passe autour de vous, eh bien, plus tard, vous voudrez y retourner, et ce sera mort, il n'y aura plus rien. D'où le véhicule qui ne spawn pas, du coup pour certains joueurs, j'ai vu que beaucoup de joueurs n'ont pas trouvé le véhicule. Certains se disaient, soit c'est un bug, certains se disaient qu'il faut jouer une certaine mission pour que le véhicule spawn. Certains se disaient, t'as joué une mission justement qu'il fallait pas jouer, si du coup le véhicule a disparu. Et moi je pense que ça n'a rien à voir, c'est tout simplement le fait de passer proche de la zone, d'activer l'event et de ne pas y aller. Si vous l'activez, le véhicule va spawn, mais si vous n'allez pas récupérer le véhicule, vous ne pourrez plus jamais le récupérer, c'est mort. La seule solution, c'est de charger une partie où vous n'avez pas activé l'event, où vous n'êtes pas passé à côté. C'est la seule et unique solution. Sauf que pour certains joueurs, ils sont passés dans la zone, ils ont activé l'event, ils ont joué, et ils n'ont plus de partie à charger qui remonterait à avant cet événement. Et puis même s'ils le faisaient, ils perdraient toute leur progression, parce qu'il faudrait remonter loin en arrière. Du coup, voilà. J'espère vraiment que ça aurait pu répondre à certaines de vos questions. Non, ce n'est pas... J'ai vu des trucs du genre...
il fallait pas jouer I Fly Away, la mission I Fly Away. Il fallait pas jouer Riders on the Storm, mais regardez bien. Regardez, je vais vous prouver que c'est faux. Regardez, Riders on the Storm, ma mission, elle est ici. Je l'ai toujours pas jouée. Elle n'est pas jouée, elle n'est pas complétée. Et si j'ai pas joué Riders on the Storm, alors j'ai pas débloqué la mission I Fly Away. Parce que I Fly Away, elle se débloque après Riders on the Storm. Donc, non. Si vous avez vu des gens qui vous disaient, ouais, il faut jouer ça, ou alors, il faut pas jouer ça parce qu'après c'est trop tard, c'est faux. Il n'y a pas de mission principale à jouer ou secondaire. Il n'y a pas de mission limite à jouer et après c'est foutu, c'est faux. C'est juste qu'il ne faut pas passer dans la zone sans aller récupérer le véhicule directement. Ensuite, si par grosse malchance, l'un d'entre vous va passer dans la zone alors qu'il n'est jamais passé dans cette zone auparavant, vraiment, que vous n'êtes jamais allé à côté du plateau de cinéma, mais que le véhicule n'y est quand même pas, là je vous conseille en fait de charger une partie juste avant, là où vous étiez loin du plateau. Chargez une partie, rendez-vous un téléporteur le même que le mien, celui-là. Rendez-vous ici, Rocky Ridge, vous vous posez, et là vous prenez un véhicule et vous y allez lentement, roulez lentement, très très lentement. C'est vraiment un conseil, roulez lentement comme j'ai fait en début de vidéo là, et là quand vous arriverez vers l'intersection, vous allez entendre un bruit de voiture qui spawn. Ce sera le pick-up qui va spawn, et là foncez le récupérer. Ça c'est un conseil pour ceux qui n'auraient jamais activé l'event, mais que par malchance le véhicule ne spawnerait pas. Vous avez juste à faire ça, charger une partie juste avant, quelques minutes avant, et vous y allez. Ça devrait marcher. Voilà, j'espère que ça aurait pu aider certaines personnes. J'ai vu aucune vidéo là-dessus, donc partagez l'information ou la vidéo directement à tous ceux dans votre entourage qui se plaindraient de ne pas trouver ce véhicule. En tout cas, moi je suis super content de l'avoir. Voilà, un véhicule en plus dans la collection. Et puis c'est tout. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, l'équipe. Salut.